Hello la team Poppy, comment allez-vous? J'espère que comme d'habitude vous avez la forme et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo. En plus aujourd'hui on va faire quelque chose d'assez ouf. Vous voyez Dog Day, vous savez qu'en temps normal il est complètement coupé en deux le frérot. Et bah dites-vous qu'aujourd'hui on va pouvoir avoir une version de Dog Day au complet. Ça veut dire qu'il aura ses jambes, il va pouvoir marcher, il sera heureux le bonhomme. Du coup c'est un peu comme si on allait soigner Dog Day pour qu'il puisse remarcher et qu'il puisse partir sain et sauf avec nous, mais au complet avec ses jambes. Donc on est parti pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes prêts, let's go. Mais avant ça, il va falloir qu'on se retape la course-poursuite de Dog Day, parce que ce n'est pas tout de suite qu'on va voir le Dog Day au complet. Il va d'abord falloir faire la course-poursuite. Et j'espère ne pas me rater. Et ne prenez pas en compte ce Dog Day qui va se faire bouffer littéralement par les Smiley Critters. Nous, on va retrouver le vrai Dog Day qui aura toute sa tête, heureusement, et qui essaiera pas de nous buter. Mais pas celui-là. Enfin, là, actuellement, il est gentil, mais dans 30 secondes, ce sera plus le cas. Ok, ils arrivent. Moi, je m'éloigne, hein. Moi, je vous le dis, je me mets ici directement. Comme ça, je pars avec une petite longueur d'avance. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait la course poursuite comme ça, de manière classique. Ah là 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 là, il arrive le Dog Day, il arrive. Bon, en même temps, tu sais calme. Oh, ça bug. Non, j'ai un bug. Oh, j'ai eu un bug. J'ai eu trop peur. Oh là là, je pensais que ça allait planter et tout. Je me suis dit, mais non, pas maintenant quand même, pas maintenant. En plus, je me rappelle plus très bien la course poursuite. Je crois que je suis pas obligé de m'accroupir, heureusement. Quoique, peut-être qu'ici, j'aurais pas trop le choix. Non, c'est bon, je suis pas obligé de m'accroupir. Là, on va là. Allez, ça, je me rappelle de ça. Ensuite, on arrive dans la petite aire de jeu des Smiling Critters. Ici, voilà, on va à gauche. Oh, après, je me rappelle plus. Je sais qu'elle se met les critères, ça peut arriver à tout moment. Je crois que c'est à gauche. On doit aller à gauche ici. Ensuite, on va là-bas. Ok. Dépêchez-vous. Après, c'est le toboggan, je crois. Ouais, on y est. Vas-y, let's go. Toboggan de la moitié. Let's go. Wouhou. Ça m'avait manqué. Les sensations fortes, je kiffe. Et après, oui, non, c'est vrai qu'il y a encore une deuxième partie où Dog Day peut encore se ramener. Il faut que j'aille là-bas. Voilà. Oh non, la main violette. Je l'ai pas. Bon, tant pis, j'ai pas le choix, les amis. Désolé, je savais pas que j'avais pas la main violette sur moi. Je savais pas. Alors, Dog Day, on fait moins le malin, hein. Celui-là, c'est encore le Dog Day méchant. Mais normalement, plus tard, on va le retrouver dans le jeu, comme je vous l'ai dit, avec ses deux gibbles. Il va pouvoir marcher, peut-être même courir, et il sera heureux. Ça nous rendra heureux par la même occasion. De voir Dog Day content et rempli de joie de vivre, et bah ça fait plaisir, bordel. Mais en attendant, c'est pas encore le cas, donc on se casse, hein. Voilà, on va prendre la petite passerelle. C'est ciao, hein, le Dog Day possédé par les Smiling Critters. On va déjà essayer de sortir de la Playhouse, cet endroit maléfique. D'ailleurs, je me rappelle. Ah, il faut qu'on reprenne encore un toboggan, c'est vrai. Faut qu'on reprenne encore un toboggan. Let's go! Et là, on a la transition. Et dans mes souvenirs, c'est vrai que t'enchaînes directement sur l'endroit qui ressemble un peu à l'école là. Vous savez, le gros bâtiment en pierre. Sauf que bon, ça, je vais le skipper jusqu'à ce qu'on soit avec Dog Day. Et ça rime en plus. Bon, normalement, les amis, on est censé avoir le Dog Day au complet. Un gentil Dog Day à l'intérieur. Il nous attend pour normalement continuer le jeu. Dog Day? T'es là, mon ref? Ah, bah pour l'instant, il n'y a pas de Dog Day. Mon Dog Day? Oh, il est là! Il m'a fait peur en plus. Il m'a fait peur. Dog Day, ça va? C'est incroyable par contre. Il est gigantesque. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Ça va, Dog Day? En vrai, j'ose pas le toucher. Mais normalement, je crois qu'il est gentil. Mais j'avoue qu'il me fait un petit peu peur. Et j'ose pas trop le toucher. Mais ça va, il ne m'attaque pas. Par contre, il a l'air d'être un peu teubé. Dog Day, mon frérot, pourquoi est-ce que tu. Attends, peut-être qu'avec la fly, à moins que je le déplace. Ah, attends. Tiens! Non, ça marche pas. Il y a un problème là avec le Dog Day. Oh, c'est bon. Je crois qu'il me suit. Ça va, Dog Day? C'est cette chaise-là qui te dérange? Ça me fume. Attends, je vais essayer de le ramener dehors. Juste avant, je dois récupérer la clé. Parce que après, je vais devoir aller jusqu'à la fin du jeu. C'est ma main, ça? Ouais, ma main, elle est full buggée. Je pense que du coup, ce que je ferais, c'est que je ferais le combat avec Dog Day. Le combat catab avec Dog Day. Oh, mais attends, mais il est en train de se faire bugger. Et on partira avec lui à la fin dans la passerelle. C'est trop bien. Donc là, on va vraiment partir avec Dog Day. On l'aura sauvé. On l'aura soigné. Là, franchement, on peut pas plus nous régaler que ça. Je suis trop refait en vrai. C'est exceptionnel. Du coup, la clé. Parce qu'on parle, on parle. Mais on en oublie carrément l'objectif. Récupérer la clé que Holy. Hop. Que Big Flo et Holy là, nous a donné. Qui est juste là. Hop. Juste sortir parce qu'il fait un peu sombre ici. J'aimerais bien profiter de notre Dog Day sous la lumière. Histoire de voir vraiment à quoi il ressemble. Allez, viens Dog Day. Ah, mais il vient vraiment. Il fait de moonwalk gros. C'est Michael Jackson en fait. Il traverse même carrément les murs. Bon, il a des compétences que je ne connaissais pas. Ça va Dog Day, j'espère que t'es heureux d'avoir trouvé tes jambes. Hein. Ah, bah il est tellement heureux qu'il veut se balader en fait. Il veut profiter des horizons. En même temps, ça fait longtemps qu'il a pas vu l'extérieur. S'il était enfermé dans une cellule pendant je sais pas combien de temps, forcément. Allez. Il regarde autour de lui et tout, ça me termine. Comme si genre il profitait du moment en fait. Bon par contre Dog Day ne parle pas. Je vais prendre la flycam parce que quand même j'ose pas trop le toucher au cas où tu vois. Comme ça je peux regarder en fait ce qu'il fait. Oui, il se déplace hein.
même quand je suis pas là et que je bouge pas, il se déplace. Voilà, il fait sa petite vie tranquillement. Par contre, il vole. Ah, mais il me suit quand même. Même quand je suis en flycam, du coup, il vole dans les airs. Mais c'est incroyable, c'est trop drôle. Regardez, il suit ma flycam. Bah, je pensais pas, tu vois. Je pensais pas qu'il ferait ça. Et si jamais je me remets ici, j'imagine que hop, il va descendre. Non, ah non, il descend comme s'il évitait en fait. C'est incroyable. Sacré Dog Day, il a toujours le mot pour rire celui-là. J'aimerais bien l'amener ici parce que là, il y a vraiment un beau soleil. Voilà, comme ça, on va bien le voir. Viens, mon Dog Day, allez, allez, hop. Voilà, il se déplace des fois de manière bizarre. Oh, attends, tu me colles un peu trop. Ouais, il est stylé, hein. Sous la lumière comme ça, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment joli. Comme il est orangé, bah, ça reflète sur lui. C'est incroyable. Ouais, non, non, c'est trop bien. Vraiment, regardez-le là, comment il a l'air tout content. C'est trop cool en vrai, c'est beaucoup trop cool. Bon, il est grand, on dirait qu'il a la même taille plus ou moins que Kissimissi. Qu'est-ce qu'il fait là, le frérot là? Ça va, mon ref? Tranquille. C'est moi ou il a bugué? T'as pas bugué, j'espère, hein? Dog Day? Ah, ça va, ça va. Il m'a fait peur. Je me suis dit, ça tombe, il a bugué. Attends, il va où là? Ce que je vais faire, les amis, c'est qu'on va se retrouver au combat de Catnap et on va essayer de prendre Dog Day avec nous. Comme ça, ça nous fera un allié en plus, c'est trop bien. Même s'il va sûrement pas trop mêler, mais on le fera avec lui. Les amis, regardez qui est avec nous. Le petit Dog Day qui est un peu perdu. Je pense qu'il va être un peu traumatisé parce que en fait il sait pas, il pense que je l'ai amené là pour qu'on puisse faire un truc cool ensemble. Je pense que quand il va voir le catnap, il va être traumatisé le roveton. Bon, c'est pas tout ça, mais hop. Bon, j'ai changé un petit peu 2-3 trucs histoire quand même que ce soit plus facile au niveau du combat parce qu'on l'a déjà fait beaucoup de fois. Voilà, on connaît par cœur. Mais vous savez, hein, je dois récupérer ça pour tester ça. Hop, voilà, ça montre qu'on peut utiliser ces trucs là pour mettre de la fumée là. Et ensuite, comme ça, on a accès maintenant. Ah bon, ça va, il m'a touché, il m'a pas tué. Donc il est vraiment gentil. En même temps, je l'ai sauvé, je l'ai soigné. Il manquerait plus que ça, frérot. Grâce à moi, il remarche. Allez hop, c'est parti. Let's go. Bon, mon petit Dog Day, fais pas attention si jamais il y a Catnap qui est un peu vénère. Hein. Je sais même pas si t'as déjà vu cette version là de Catnap. Bon, il reste planté là. Tant qu'il me gêne pas, ça va. En vrai de vrai, il me traverse en plus. Donc c'est pas comme s'il allait pouvoir me pousser. Voilà, j'ai des petits bugs de temps en temps là. Ça fait un peu peur. Je vous avoue que ça rassure pas trop. J'espère que ça va pas planter à la fin. Allez, dégage, Catnap. Ah, c'est pas celui-là. C'est ce Catnap là qu'il faut. Attention, les amis. Vous êtes prêts? Let's go! Hop, ça dégage. Bon, vous savez qu'il y a des faux catnaps. Il y a des sortes d'illusions, en fait. Je pense que c'est à cause du gaz, encore une fois. Ça devrait aller en vrai. Ça devrait être plutôt simple. On maîtrise. Et maintenant qu'on a Dog Day avec nous, on a sa force en plus, j'ai envie de dire. L'union fait la force, comme on dit. Même s'ils ne mettent pas énormément le roveton. Hop! Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on va remettre la deuxième pile ici, mesdames, messieurs. Nickel. Dog Day, je sais pas ce qu'il fait. Il est en train de. Ah non, non, c'est déjà. Monsieur Catnap Trap est déjà là. Allez, tiens, on te referme. Voilà, tu fais trop de bruit. Tais-toi un peu là. Voilà, ça t'apprendra à faire du bruit. C'est pas possible, mais il revient déjà, mais. Il est déter, hein. Tant mieux, après, c'est la phase la plus simple, je trouve, à gérer. Et la moins stressante. Oh non, par contre, c'est ça, ça crée des bugs. C'est que des fois, ça te met de travers. J'ai l'impression d'être un bateau qui coule. C'est nimp. En catnap, mon roveton. Tu es où? Encore? Mais décidément, c'est Dog Day qui fait cet effet là. En fait, ouais, Dog Day est juste en dessous de la trappe. Si ça tombe, il en. Mince. Au secours. Oh, j'ai eu trop peur. Ça tombe, il a envie de grind Dog Day en fait. C'est ça le délire, je crois. Ouais, ça doit être ça, ça doit être ça. Ok, on va juste faire ça. On va mettre la pile. Mais c'est pas possible. Mais tu vas arrêter, oui. Wesh, il en a des choses à dire là, le catnap. Voilà, laisse-nous un peu respirer là, s'il te plaît là. Hop, par contre, je suis travers, c'est chiant. Voilà, 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 lui, il fait peur par contre. C'est info, heureusement, c'est info. Ok, ça m'a remis droit. Eh, Dog Day a disparu. Oh non, c'est moi, il est là, j'ai eu trop peur. Je me suis dit, il va pas, quand même pas nous abandonner maintenant. Pas après tout ce qu'on a fait ensemble. Hop. Attends, il vient d'où le catnap? Il vient là. Voilà. C'est que des fakes pour l'instant. C'est que des catnap fakes. Non, il revient. C'est pas possible, c'est une dinguerie ça. Il y en a combien des fakes? C'est un bug. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Vous avez l'habitude maintenant. Alors lui, c'est peut-être le vrai par contre. Ouais, c'était le vrai lui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vite faire ça. Hop, voilà. On va vite faire ça. Parce que vous connaissez, hein. À la fin, on est dans le noir. Mais bon, ça devrait aller. Pas trop de problèmes. On connaît, on maîtrise. Il vient jamais à gauche. Vous avez vu? Trop bizarre. Il est quasi jamais venu à gauche alors que d'habitude c'est son côté préféré. Étrange, en vrai étrange. Ah bah il est là justement. Quand on parle du loup, voilà. Quand on parle du chat même carrément, j'ai envie de dire. Bon, j'espère que ça va pas bugger à la fin parce qu'il y a Dog Day, hein. Ça m'embêterait un petit peu que ça bug. Dog Day, il faut le sauver, ok? Coûte que coûte. C'est notre objectif. Normalement ça doit le faire. Ça doit le faire. Il reste plus qu'une petite dizaine de secondes. Ah, bah voilà, c'est le dernier catnap, les amis. Le dernier catnap avant la fin. Voilà, t'inquiète pas, mon Dog Day. Tant que t'es avec Free, tout va bien se passer. Attention, et boum. Voilà, profite bien du spectacle, Dog Day. Tu ne verras ça qu'une fois dans ta vie. En même temps, c'est normal. Catnap pourra pas mourir deux fois. Moi, je sais pas si on va le voir dans la cinématique.
Dog Day ? Oh non, je crois qu'il a disparu. Il a été se cacher, il s'est dit waouh waouh waouh. Il y a du grabuge par ici. Je vais aller me planquer quelque part, j'ai pas envie de me faire choper par le prototype. En catnap, c'est pas comme si on était habitué à devoir clamser, mais adieu hein, pour la 3e, 4e, 5e fois. Là on s'y perd. Bon, par contre, moi ce qui me fait peur, c'est mon Dog Day là. J'espère que mon Dog Day sera là dès que la cinématique sera terminée. Allez, ciao catnap. On se reverra pour de nouveaux horizons, comme on dit. Bon, nickel. Une bonne chose de faite. Maintenant que Catnap est éliminé, il ne pourra pas attaquer notre petit Dog Day. Et Dog Day est encore là. Voilà, regardez-le. Il est bien, il est là, il est posé. Oh, il fait un peu peur par contre là. Il fait un peu peur, mon ref, je t'avoue là, hein, avec tes yeux blancs comme ça là. Bon, vas-y, suis-moi. On va t'emmener ailleurs. Oh non, je crois qu'il a bugué. Ah non, c'est bon. Il m'a fait peur. Il est juste, il a un peu de délai, il a un peu de ping, le frérot, c'est pas grave. En même temps, c'est normal, il avait plus de gens, il faut qu'il se réhabitue à marcher, tu vois, c'est pas évident. Allez, viens. Hop. Ouais, c'est moi, j'ai l'impression qu'il disparaît des fois, c'est horrible. Attends, mais il a disparu. Mais Dog Day, Dog Day, frérot, t'es où? Tu m'as laissé. Attends, ah non, il est là, mais c'est Harry Potter en fait. Il utilise la magie, je comprends pas. Ah voilà, viens, voilà. Bon, vas-y. Tant qu'il me rejoint après, c'est bon. Parce que là, il a l'air un peu en panique, le roveton. Pourtant, il devrait être rassuré, Catnap est mort. Bon, on est bien à la fin. On a Dog Day avec nous. C'est le plus important. On va mettre fin à tout ça. Une fois pour toutes. Wow. J'ai dit une bonne fois pour toutes. Mais c'est une dinguerie ça. Mais frérot, pourquoi je peux pas mettre la pile? Ok, voilà, c'est bon. Attends juste, le bouton. Voilà, j'espère que ça va aller, hein, que la cinématique de fin va bien se déclencher. Comme d'hab, je suis un petit peu de stress, mais normalement ça devrait être bon. Parce que ça m'est déjà arrivé en fait que ça bug. Et là, j'aimerais pas que ça bug. Sachant qu'on est avec notre petit Dog Day ici, j'aimerais clairement pas que ça bug. Hein, mon frérot? Va faire ta vie pendant que je m'occupe du reste. Alors, il y a un bug avec le gaz. On va tenter un truc. J'espère que ça va bien se passer. Allez, dites-moi que oui. Ouais, c'est bon. Dog Day, t'es là? Dog Day? Mais là, il m'a fait trop peur. Mais vraiment, il se téléporte des fois. Bon, il est un peu con, mais on l'aime bien quand même. On l'aime bien quand même. Juste, il va falloir le ramener dans la passerelle. C'est vraiment l'objectif du coup. Moi, je vous passe tout ça parce qu'on connaît par cœur. Hein, quand Poppy, elle parle, voilà, on connaît. Et les amis, là, l'objectif, ça va être de ramener Dog Day dans la passerelle. Le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à le mettre, mais sans que ça démarre. Comment je peux faire? Bien, voilà. Bon chien. À la base, c'est un chien, donc bon chien du coup. Viens frérot, voilà, même si tu l'évites c'est pas grave. Et tant que tu te ramènes c'est bon. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, let's go. C'est bon, on a Dog Day avec nous. Voilà, il est avec nous, c'est bon. Non, c'est pas grave, c'est comme s'il était avec nous en vrai. Ah si, viens. Je kiffe, vraiment c'est trop drôle. Même jusqu'à la fin, il évite dans les airs comme ça, râler pour nous rejoindre. Tu vois, ça c'est la fin heureuse. C'est la fin heureuse, en tout cas la fin heureuse pour Dog Day c'est sûr. Est-ce qu'il va remonter aussi? Viens sauver qui c'est avec nous Dog Day. Ah, je crois que Dog Day s'en bat les reins, hein. Il s'est dit moi c'est bon, je suis sain et sauf, j'ai mes jambes. Kissy Missy, elle peut aller se faire voir. Ok, incroyable, franchement j'ai trop kiffé. Voilà, ça fait plaisir d'avoir pu faire en sorte que Dog Day retrouve ses jambes. Et en plus de ça, de terminer le jeu avec lui. Je ne peux pas être plus heureux que ça. J'espère que vous aussi vous êtes heureux devant votre écran. Dites-moi tout ça d'ailleurs dans les commentaires. Et sinon j'ai grave kiffé, vraiment c'était trop cool. Voilà, ce genre de vidéo vraiment c'est du pur plaisir. J'espère vous avoir régalé aussi également. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à bombarder cette barre de likes. Abonnez-vous, activez la cloche de notif. Et on a sauvé Dog Day encore une fois. Mais là, on l'a vraiment bien sauvé. Pour le coup, il a même retrouvé ses jambes. Il va pouvoir aller courir dans les champs. Il va pouvoir retrouver un petit peu de joie de vivre. Comme avant. Et ça, c'est beau. Allez, je ne retiens pas plus. C'est sur ces belles paroles, sur cette magnifique fin qu'on a eue, qu'on va se laisser. À très vite pour une prochaine vidéo, Poppy. Allez, ciao, les BG.